Les projets des Opéras de Cavalli remontent à un rêve qu'on a avec les solistes et les instrumentistes de Capella Mediterranea. Un rêve très personnel de ma part. J'aimerais beaucoup que les premiers siècles de ce nouveau millénaire soient un siècle Cavalli. Je pense que Cavalli mérite d'être redécouvert et joué dans toutes les grandes scènes du monde. Et on a voulu évoquer un microcosme, un disque où on puisse jouer du Cavalli dans la grande intimité. Alors on a dit, pourquoi pas travailler dans un disque Cavalli, mais comme si Barbara Strozzi faisait un hommage après la mort du maître et jouait dans une académie en souvenir de toutes les pièces qu'elle a connues en assistant à l'opéra. Je pense que le choix des pièces a été fait pendant tout l'été 2014, en fait, où j'ai lu les 27 manuscrits. J'ai choisi des extraits qui m'ont marqué, mais qui avaient une cohérence, une histoire entre eux, qui formaient aussi, en plus d'un hommage de la vie de Francesco Cavalli, aussi un équilibre, parce que les extraits sont très très différents et montrent aussi des capacités différentes et partie de l'évolution d'écriture de Francesco Cavalli. Depuis les notes di Teti e di Peleo, où on ouvre notre schéma avec Vénus nue, qui montre tous ses atouts pour séduire le monde. Et Cavalli écrit une musique que peut-être dans toutes ses autres opéras on ne va pas retrouver, d'une sensualité, un érotisme unique. Plus tard, évidemment, avec le grand Lamento de Proclis pour Gli Amori di Apollo e Daphne, on est bouleversé par cette force inouïe qu'on n'entendait pas depuis le Lamento d'Arianna de Claudio Monteverdi. Et évidemment, le Lamento di Sifili et toutes les scènes de Médée, aussi dans Il Giasone, qui était la pièce la plus jouée au XVIIe siècle. Mais on a joué aussi et enregistré des extraits inédits. Et plus tard, on fait aussi des extraits d'Erismena, qui a été, il faut le rappeler, le premier opéra joué en Angleterre, en anglais, une année après la mort de Cavalli en 1673. Et on arrive à la fin avec Elio Gavallo, avec ses grands quatuors qui rappellent la scène finale de Don Giovanni où on est en train de fêter la mort de l'empereur, du terrible empereur romain. Et avec les extraits des 27 opéras, on montre aussi des textures différentes, des esthétiques différentes. Il y a des échos à des certains moments, il y a des scènes de magie qui ont été reprises par au Blau beaucoup plus tard. Et en Angleterre, il y a aussi une nouvelle manière de traiter les dialogues, il y a des dialogues bouffos. Aussi, on traite les Cavalli en France, les Cavalli qui ont peut-être été joués par des musiciens comme Louis Couperin. À l'arrivée des Cavalli en 1660 pour le mariage de Louis XIV, retrouver Cavalli dans l'intimité et peut-être en train d'enseigner Barbara Strozzi, en train de jouer dans les académies avec Giulio Strozzi, avec Claudio Monteverdi, ses plus beaux extraits, on peut aussi retrouver une partie de son âme intime. C'est vrai que la voix de Mariana Flores m'a inspiré beaucoup dès que je l'ai rencontrée au Festival d'Ambronay en 2003, autour de L'Ercole Amante de Cavalli, l'opéra composé pour Louis XIV. Quand j'ai entendu sa voix, je me suis dit qu'il n'y a plus de retour en arrière. C'est une voix qui, pour le XVIIe siècle, pour ses débuts, elle a toutes les couleurs, toutes les affetti, une qualité de rubato et d'esprezzatura que j'ai trouvé rarement. Dans ses disques, comme elle sait très bien être angélicale et peut devenir une sorcière des pires dans très peu de temps, je pense qu'elle a pu justement appliquer cela dans cette kaléidoscope d'œuvres de toute la vie de Cavalli. On a associé aussi Anna Reinhold au projet, magnifique mezzo-soprano, et aussi l'équipe de basse continue de Capella Mediterranea et des cordes de Clematis qui sont des grands amis autour de ces projets qui nous tient vraiment au cœur de redécouvrir la musique de autour de la Méditerranée.